croissant, vous avez commandé ? Face au confinement dans les Hauts-de-France, les restaurateurs s'organisent. On vous emmène à Amiens, chez certains d'entre eux qui ont décidé de continuer de vous proposer des plats toujours plus savoureux avec des produits locaux, des produits de qualité et un amour pour ce qu'ils font. Allez, on y va. Bienvenue au Petit Délice entre amis. Donc nous, on propose de la vente à emporter. Soit vous venez chercher vos plats directement au restaurant, vous pouvez les réserver par SMS ou par téléphone, ou alors les commander en click and collect. Donc on travaille avec notre page Facebook où tous les soirs on met le menu du lendemain, parce qu'on change nos plats tous les jours. Il y a du végé, du carné, du froid, du chaud, des pâtisseries pour les plus gourmands. On essaie de privilégier au maximum les artisans locaux, donc la crèmerie qui est à côté de Poix de Picardie, les légumes qui viennent des ortillonnages. Et on essaie de proposer des associations de saveurs et de goûts pour vous faire découvrir autre chose. Et le plus important, c'est qu'on s'éclate en fait à travailler vraiment les produits de saison et des artisans locaux. Ils font aussi du click and collect, en plus ils ont des valeurs et ils les défendent haut et fort. Je veux parler de Robin Room. Allez, je vous y emmène. Vous êtes au Robin Room à Amiens, 9 rue Flatter. Actuellement, on propose du click and collect à nos clients pour pouvoir régaler quand même les gens qui travaillent ou qui n'ont juste pas envie de faire à manger, qui ont envie de se régaler de nos petits plats. Au menu aujourd'hui, on a, comme toutes les semaines, un plat chaud carné, un plat chaud vegan, une salade et nos habituels pulled pork, hot dog et burger vegan. On travaille essentiellement du produit frais et brut qu'on transforme donc dans notre cuisine, des produits de saison, de producteurs locaux et sinon on essaie au maximum de travailler sur des circuits courts avec de la vente directe aux producteurs. Nos valeurs, c'est avant tout le consommer bon, donc bon dans tous les sens du terme, des bons produits bien transformés et consommer bon pour la planète, que ce soit en termes d'énergie, faire attention à l'énergie qu'on consomme, recycler nos chutes de légumes. Ici, on est au restaurant Les Orfèvres, restauration semi-gastronomique, voire gastronomique, et nous proposons un click and collect sur lesorfèvres.com. On peut commander en direct avec 4 entrées, 4 plats et 3 desserts différents toutes les semaines qui vont changer régulièrement. On travaille en culture raisonnée, produits bio, poissons bretons, en fait on travaille que du frais. Alors aujourd'hui on a de la Saint-Jacques parce qu'on est en pleine saison de Saint-Jacques, on a du tourteau avocat, je le fais régulièrement à la carte. Et en plat on a un riz de veau, on a du lièvre à la royale, on a du bar breton magnifique. Au Café Pinson, on est un salon thé, un débit de boisson, on propose également à partir de mardi des planches, charcuterie, fromage ou végétarienne selon les goûts. Et là, on relance, comme ce qu'on avait fait au premier confinement, le brunch en livraison le dimanche. Allez, on continue cette tournée gourmande à Amiens. Nous sommes au Mont des Bons, 79 rue des Jacobins. C'est une affaire familiale. Pendant ce reconfinement, on a décidé de continuer à travailler et on propose évidemment que de l'emporter. On propose toujours minimum un plat végétarien. Et il y a toujours un plat de la semaine qui change. Cette semaine, c'est chili con carne de volaille. La semaine prochaine, ce sera peut-être un hachi parmentier purement très français, on va dire. On essaie de diversifier notre offre. Le monde des bons, ça va bien avec notre philosophie de se dire que la vie continue à être belle. Surtout en ce moment, c'est important, je pense. C'est ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand on dit « on se sent bien chez vous, c'est comme à la maison ». S'ils peuvent apporter un peu de chez nous, chez eux, ça nous fait plaisir aussi avec l'emporter.